inutile de présenter Émilie la tempête. Il y a de gros nuages tout là-bas dans le ciel. Le vent se lève et tourbillonne. Il fait même voler les feuilles des arbres. Oh, tu as vu les grosses gouttes de pluie, dit Émilie. Et le vent, il souffle si fort qu'on pourrait presque s'envoler. Soudain, les volets claquent. Émilie, Stéphane, il faut rentrer, crie maman. C'est la tempête! Dans la maison, il fait tout sombre, très triste, dit Émilie. Papa allume la lumière. Ah, c'est plus gai! Mais quelle grande tempête! On est bien à l'abri dans la maison, chuchotent les enfants. Oh, il fait tout noir! Il n'y a plus d'électricité! C'est une panne! Ouf! Maman allume les bougies. Et maintenant, c'est comme une fête. Et pendant le dîner aussi. La tempête devient encore plus forte. Ça craque partout. Est-ce que la maison pourrait se casser ou s'envoler? Mais non, ne t'inquiète pas. Elle est très solide. Ouf! Et si on s'amusait à se faire peur? Juste un tout petit peu. Alors, on joue à cache-cache. Et puis, ouh, ouh! Au grand méchant loup! À la sorcière au nez crochu et au fantôme du vieux grenier. Jusqu'à l'heure de se coucher. Comme on est bien tout chaud dans sa couette, quand dehors il y a la tempête.